marcher sur mon ordinateur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Mais j'avais des examens, du coup j'étais un burn-out. Avec mes études et tout, c'était super compliqué à gérer. Mais du coup là je reviens avec l'énergie, je reviens avec la passion. Et je reviens avec un nouveau décor, comme vous avez pu le voir. Un décor un petit peu particulier, un petit peu... Déjà un petit peu merdique parce que ça résonne, ça résonne énormément. Et comme je suis quelqu'un qui parle un petit peu fort, eh bien, je vais essayer de parler moins fort parce que sinon ça va résonner, ça va être horrible. Je peux me déplacer autant que je le veux. Wouh! Je peux nager le crawl. Wouh! Il y a même une rambarde. Wouh! On peut faire comme dans Titanic. Un décor un petit peu particulier avec plein de portes. Une porte ici, une porte là, une porte là, une porte là. Du coup, avec ce décor, c'est obligé que je vous fasse un nouvel épisode de... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je sens que cette vidéo va être insupportable à regarder. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les Sims. Les Sims, ça fait super longtemps que j'y ai pas joué. Du coup, on va jouer au Qui est-ce. En gros, je vais faire des Sims, ça sera des youtubeurs. Et si je me débrouille bien, bah normalement, vous devriez les reconnaître. Le premier youtubeur... comment ça marche? On va commencer par les cheveux. Elle a les cheveux comme ça. Non, pas du tout. Elle a les cheveux un peu comme ça. Et là, vous avez déjà tous deviné. Mais c'est pas grave, on va faire genre que c'est très difficile. Comment elle est? En vrai, je sais pas, il me faudrait une photo. Ah, d'accord, elle est un peu comme ça. Ça va être super dur. Aïe! Putain, ça va être dur cette caisse. En vrai, je vais vous dire la vérité. Si vous entendez des bruits bizarres, etc., c'est parce qu'en fait, je suis assis sur ça, qui est lui-même posé sur une chaise, parce que sinon, je suis trop petit. Parce que voilà, sinon, je ferais la vidéo comme ça. Et du coup, je suis en train de péter cette caisse complètement. Voilà. Alors, au niveau du visage, comment on fait? Oh là là. Oh, elle est pas du tout comme ça. Oh, ça m'énerve. Elle est pas du tout comme ça, elle a pas du tout ce nez-là. Est-ce que tu voudrais que je t'appelle après pour que tu viennes voir et que tu essayes de deviner? Non, ouais, je viens. Par contre, attends. Parce que je change, j'ai fait un polo et j'ai hyper chaud. Oui. On ne la reconnaît pas du tout. C'est super. Mais non, mais là, on dirait qu'elle a fait du Botox. J'arrive pas à trouver sa bouche. Je trouve que y a pas sa bouche. Ah! Celle-là, elle est bien. Elle est un peu comme ça. Elle a des boucles d'oreilles, tiens. Des boucles d'oreilles. On va lui mettre quoi? On les voit pas. On les voit pas, on les voit juste un tout petit peu là. On va pas lui mettre de maquillage. Je vais l'habiller. Ouh, cette musique m'emporte. Ah oui. Je pense qu'elle serait capable de mettre ça. Peignoir, lingerie, oula non. Ok, je crois que j'ai terminé. Rosalie! J'ai fini! Attends. C'est bon? T'es où? C'est pas Nato? Si. Bah c'est la coupe qui m'a orientée. En fait. Bah mais en fait, si elle... Attends, j'ai juste envie de faire un test. Si je change la coupe, est-ce qu'on la reconnaît? Alors non, parce que là on dirait une chinoise, donc là non. En fait, je comprends pas, enfin, c'est où le modèle? Bah c'est ma tête. C'est pas la même tête que Nato. Mais non, mais pas ma tête, c'est dans ma tête. Ah ouais. Oh, je vais faire lui. Ça va être super dur. C'est Farod. Bah non, c'est pas Farod. La coupe de cheveux, alors. Oh, ça c'est un peu sa coupe. Ça c'est un peu sa coupe. On peut faire des mèches. Je sais pas comment on fait des mèches. Bon bah on va rester sur cette coiffure là quand même hein. Tant pis. On peut même plus de sa couleur de yeux, il a les yeux marrons non? Il a pas les yeux comme ça. On dirait un paresseux. Il a un nez pointu mais boule. Je sais pas comment dire. Bon, nous allons essayer de l'habiller. Je crois qu'il est un peu plus maigre. Qu'est-ce que ça? Bon alors, il porte des t-shirts. Ok. Oh, non. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé le t-shirt parfait. J'ai trouvé ça. C'est bon, j'ai fini, tu peux venir voir.
Alors? Je suis pas folle. Oui. Tu la reconnais grâce à quoi? En fait, j'ai dit au hasard, mais je pense que c'est la coupe. Mais tu sais que pour moi, il est blond. Elle est laide. C'est un tout petit peu la coupe de Farod. Hein. Ah non, il a pas cette coupe là, c'est dégueulasse. Bah, bon, je sais pas quelle coupe tu veux. Je vais en faire un autre. Tu vas faire une fille, c'est toi? Oui. Comment s'appelle la fille qui fait des nail art? Yoko nail art, un truc comme ça. Je veux pas faire Yoko nail art, qu'est-ce qu'elle me raconte elle? Donc, vous allez essayer de deviner qui c'est. Ça va être un peu compliqué, mais je pense que nous allons pouvoir le trouver. Vous allez pouvoir le trouver. Oh, putain, mais je vais vraiment finir par la péter cette caisse. Le visage, la forme du visage. Je dirais ça. J'arrive pas. Et la coupe de cheveux. Il n'y a pas de jolie coupe. Putain, c'est une horreur. Frida Kahlo. En vrai, ça me rend triste. Pourquoi il n'y a pas des coupes mieux? On dirait Molière. C'est super. C'est génial. Je me sens très... Oh putain, il est chaud cet ordinateur. J'ai posé ma main là. Ah putain. C'est bon, je vais changer de cachette. C'est bon. Comment tu m'as vu? Parce que t'es pas discret. Bah c'est toi ça, non? Oui, c'est moi. Montre. Non mais en fait si t'élargissais un tout petit peu le nez. Quoi? Et les lèvres, ça a... N'importe quoi. Oh, j'ai pas fait les lèvres. J'ai oublié les lèvres. Tu m'as gueulé dans l'oreille, c'était pas agréable. Ah mais si, elles sont bien. Change-moi un petit peu. Non, j'ai pas cette coupe hein. Mais en vrai, c'est super discriminatoire. Il y a pas de vraie coupe de garçon avec les cheveux longs. Pour l'instant, j'occupe l'arrière-plan avec une chorégraphie. Et je refais un petit peu de single ladies aussi. Attends, je te redonne un peu de mes cheveux. Ah. Ça serait trop bizarre si t'avais des boucles. On dirait, on dirait Anna dans 13 Reasons Why. Oh. Et là, la réalité. La réalité, c'est qu'elle est chauve. Dites dans les commentaires si c'était mieux la version que moi j'ai fait ou c'est mieux la version de elle maintenant dégueulasse avec la coupe sur le côté. Montre-toi de profil. Ah. Aïe. C'est trop bon. Bon, c'est bon. Xavier, on dirait Michael Jackson. Il faut changer. J'en ai marre. Hey, Nas, Warbo. C'est toi une connasse. Je l'ai enfermé! Comme il n'y a pas une clé. C'est bon! Eh bien écoutez, c'est comme ça que va se terminer là. On la voit toujours là-bas, elle est coincée. De nouvelles vidéos arrivent très vite cette fois, promis. Je vous laisse pas patienter pendant un mois. Je vous fais des bisous, Rosalie aussi. Bisous! Et puis on se retrouve très très bientôt. Bisous!